Yo, salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 53 de 9h08 en live 2. Il est 13h33, on est le 13 janvier. Voilà, bon, pas vous, moi oui. Je sais plus où on en était. C'était J, celle-là. Oh, je baisse le son, excusez-moi. Enfin, pour moi, de mon côté. D'après Wolf. Ah ben, j'en suis là, oui, d'accord. Les quêtes terminées, les précédentes, on avait... Ah oui, on avait pété les champions, on était au... En jugement, voilà, c'était. Et donc là, faut qu'on aille voir Aldanon. Aldanon, je sais pas. Et ben, c'est parti. Tac. Ça fait quelques jours que j'ai pas retouché encore. Je me suis lancé sur d'autres jeux. Pas trop de choses. T'as craqué un peu, Néné. Allez, allez, allez. Oh, bon, les temps de chargement, c'est désagréable quand même. Ah, dis-moi que j'ai un autre PC plus puissant. Allez. Aldanon, il est où? Là. Oula, oula, oula. Ah, merde! Les guerres devant chez lui. Bonjour. J'ai dit reculer. Si quelqu'un entre, je tue le prévôt. Ah. Reculez, bon sang! Ils n'ont pas l'air de plaisanter. Prévôt Cormick, êtes-vous blessé? J'irais beaucoup moins bien si ces idiots savaient se tenir, se servir de leur baguette. Ah. On tirait dessus à bout portant, ils ont raté souvent. Attaquez, sergent. Ils n'ont plus de charge. Ne l'écoutez pas, sergent. Pour des idiots, il nous reste beaucoup de charge dans notre baguette. Alors n'approchez pas. Casse-brason, qu'est-ce qui se passe? Super. Pourquoi la vie n'est-elle jamais simple? Qu'est-ce qui se passe, casse-brason? Si je comprends bien, c'est un cambriolage raté. Les voleurs étaient dans la maison quand Cormick a frappé. Ils ont dû remarquer que les sceaux du vieux sage étaient tombés, ils ont voulu jeter un œil. Le pauvre n'avait aucune chance, ils... Oh non, ils l'ont abattu avec leur baguette et l'ont laissé dans le jardin. Ah, et maintenant ils disent qu'ils vont le tuer si on approche. C'est une impasse, je n'aime pas ça. Cormick est un ami, voulez-vous bien que j'essaye de leur parler? Vous feriez bien de me laisser gérer la situation, sergent. Je viens voir Aldanon, c'est tout. Cormick est un ami, allez. Écoutez, j'ai pas d'ego en jeu. Je peux patrouiller, occuper un voleur ou descendre un champ d'alarme, mais quand il s'agit d'une négociation, je suis pas de taille. Ah. Hé, vous dans la maison, il y a quelqu'un qui voudrait vous parler. Ah ouais? Est-ce encore ces chiens de garde sans tripes? Je suis Camille, à qui ai-je l'honneur? Ah. Qui êtes-vous, que voulez-vous? Je viens seulement pour Aldanon. Rendez-vous tout de suite ou je vous massacrerai jusqu'au dernier. Allez, je suis Camille, à qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Iwi. Ew. Lui, c'est Gulver. Idiot, pourquoi t'as dit de nom? Bah, vous avez dit le chien. Camille, c'est le type qui a viré des docks, celui qui a réglé le compte à Moria et à Barlow? Oh mon Dieu! On peut discuter. Comment vous convaincre de vous rendre? Il ne reste que peu de charge dans la baguette. Vous tuerez peut-être Cormick, mais vous ne tuerez pas les autres. Vous savez ce que j'ai fait à Moria. Vous pensez que je vous ferai mieux qu'elle? Je vous offre une grâce complète si vous vous rendez, posez cette baguette. J'aime bien les trois là en fait. Allez, un petit coup d'intimidation quand même. Bon d'accord Camille, on vous écoute. Mais on a des revendications. Si on se rend, faut nous promettre les gardes et vous de nous laisser partir. Mensonge, y a pas. Pas question. S'ils sortent, ils restent en vie et c'est tout. On ne laisse pas partir les criminels dans ce quartier. C'est moi qui suis responsable de ces négociations et si je dis qu'on les libère, on les libérera. C'est un peu cher payé pour la vie de Cormick. Et puis, on pourra toujours arrêter ceux à l'intérieur. D'accord, je leur dis. Bon, on va les arrêter quand même. Alors, les chiens ont donné leur promesse. Vous savez qu'ils ne pourront pas faire ça. Mais je peux faire en sorte qu'ils ne soient pas trop durs avec vous. Ils ont donné leur parole. Sortez, vous avez enfreint la loi. Il faut juger. Vos vies seront épargnées. Mais c'est la seule promesse que je peux vous faire. Non, ces gardes sont raides comme...
Comment justice, tiens? Allez, vous savez qu'ils ne pourront pas faire ça. Diplomatie. Eh hey, yeah. La prison, c'est toujours mieux que la mort. Eh oui, les chiens nous traiteront peut-être bien, comme il dit. Oui, Gulliver, on n'a pas le choix. Eh, hey, Camille, on laisse la baguette et on sort. Alors dites aux chiens de pas nous aboyer dessus. Bien joué, Camille. 20 ans de patrouille, j'avais jamais vu une situation régler aussi vite. Coffrez-les, les gars, mais en douceur. La voilà, Camille. On s'occupe de cela. On emmène Cormac à l'abri. Je suis sûr que vous pourrez prendre dépourvu ceux qui sont encore dans la maison. Je vais interroger cela d'abord. Ouais. Crochetage? On a rien à vous dire. On s'est peut-être rendu, mais on va pas répondre pour autant aux questions. Ah non, je peux faire du crochetage. Vous seriez mort sans moi. Combien de vos amis se trouvent dans la maison? Ouais, vous seriez mort sans moi. Ouais, c'est vrai. Et au lieu de ça, on file vers le donjon. La prison, c'est peut-être mieux que la mort, mais pas de beaucoup. Combien de vos amis se trouvent à l'intérieur? Vous écoutez rien, sale garde. Pas de questions et pas de réponse. Pas de questions et pas de réponse. Vous voulez savoir combien ils sont dans la maison? Allez donc regarder vous-même. C'est pas fini, nous nous reverrons. Oui, peut-être. Ou alors, nos gars dans la maison vont couper en rondelles avec les otages. On sait pas, hein, Gulliver. Ouais, on sait pas, le vieux Scrabble, c'est un flou. C'est un filou? Un flou. Pour sûr. Surtout quand il est bien planqué. D'accord. Cormick. Vous aurez dû charger contre ces sales amateurs. Vous avez vu quelque chose dans la maison? Les otages, 3, 4 et d'autres voleurs, une dizaine voire plus à l'arrière. Accrochez-vous, Cormick. Ouais, vous êtes blessé, le mec il est à terre, une question con quoi. Accrochez-vous, Cormick. Allez, c'est parti. Bonjour. Vas-y, fais le tour, c'est plus sympa. Oh, me dis pas que t'es trop lourde. Chuchote, c'est incroyable. Quelle heure il est? 13h40. Alors, y a-t-il des petits trucs pour moi là? Non, y a rien d'intéressant. Allez. Next. Non! Putain, quel idée! Une brute. Oh bah. Ah, je t'avais même pas vu, toi! Ah, bah, c'était vite. Baguette! Oh! Bon, la carte. Atelier bibliothèque. Bibliothèque Roy. Non, pardon, c'est pour ceux qui ont vu Scrubs. Allez, direction l'atelier. Bon, bah, toi. Allez, 46. Vache. Quatorze PO. Une hachette aussi sexy, mais quand même. Allez, suivant. Ah, bon, on ira après. C'est une porte qui mène. Je sais pas où. Il n'y a pas de cadeau là chez Aldana, l'enfoiré. Pingre. Oh bon. On va faire la suite parce que. C'est ce qui s'appelle se faire. C'est bon, c'est bon. Ah, biotech. Pare-chaud. Je sais, mais c'est un pare-chaud. Ok, on va faire le petit tour. Une baguette encore? C'est sûr que je peux pas ouvrir une porte. Bon bah on retourne là-bas hein. Allez, est-ce que je peux l'ouvrir en crochetage?
une clé spécifique. C'était sérieux. J'ai fouillé tout le monde, y a personne. Bon. Qu'est-ce que j'ai ramassé du coup? Création de vêtements, changement de forme, j'achète plus un. Baguette de nuages de Zabon. Mais c'est nul! Ah! J'avais pas vu que t'avais tombé des trucs. Flèche d'acide. Bon, on va aller dans la bibliothèque. On a tout fouillé pourtant. La maison. Donc là, bah oui. Bibliothèque. Bah ouais, mais non. L'atelier. Je me suis perdu. Mais comment on fait? Y a pas de coffre, rien. C'est embêtant, ça. Dis donc. Je voudrais la clé, s'il vous plaît. Bon, bah, je pense que je vais faire une ellipse jusqu'à ce que je trouve, parce que ça risque d'être long pour vous, sinon. Hein, ça vous va? Allez, à tout de suite. Bon, bah voilà, en fait, c'est la porte là, que je n'arrivais pas à ouvrir tout à l'heure. Ah, j'ai bien trouvé, c'était ça. Bah, Aldenon, non. Majordome. Attendez, on peut discuter, j'ai de l'argent, prenez tout. Tuez-les vite, Scrab. On vous dit que... On a dit qu'on pouvait les tuer s'ils essayent de s'échapper. Par pitié, je regrette, je n'ai pas dû essayer de fuir. Je n'aurais pas dû essayer de fuir. Tu aurais dû rester bien sagement assis, comme Scrab l'avait dit. Avait dit. Désolé, rien de personnel. Non, pitié! Oh merde, il a Wraith. Bon bah voilà. Oh voilà! C'est bon, on est Kara. Une dague. Donc oui, j'ai cherché pendant 5 minutes en fait. Hein. C'est dommage. On avait commencé à quelle heure? 33. Donc ça fait 53, ça fait 58 pour moi. À 14h. Ouais, du piège, c'est pas grave. Voilà. Non, tu veux pas y aller? Allez, j'aime pas ça. Oh la vache! Oh la vache! Je vous tiens. Un. Oh. Camille. Oh la vache. Je vais me pousser de là. Il y a encore un con là. Bon bah non, il y avait. Reste. Et là, un cri. Bon, et ben là on a pris cher. Les ennemis sont proches. Bah, oh, incroyable. Bon là ils étaient pas proches. Ah, je t'ai pas vu quoi. Merde.
Je viens de me dépenser. Allez. Outil de voleur. Oh là là. Outil de voleur. C'est pour Mishka, ça c'est pour Ce Kara. poids m'empêche de bouger. Are Oui. you kidding me? T'es sérieuse? Mais t'as quoi? Art de la magie, concentration, restons des sorts 14. Allez. Bon bah putain, tu vas porter toi. Voilà. Et Je toi. peux t'aider? Ah, t'es un peu lourde. Bon bah. Ça passe là. Toi, merde. I. I, I. Oh, 600, il porte le mec. Et moi, 460. Oh, ça va aller. Je me suis reposé, oui, c'est ça. J'ai repensé trop tard. Allez. Voilà. Hop, 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 hop. J'avais pas vu l'étagère. Un pare-chaud. Y a rien. Ah, bon, bah, je vais pas réussir. Oh, si, j'ai réussi. Oh, putain. Bon, bah, gros. On va aller enlever le piège. On va se faire buzzer à chaque fois quand même. Descendre par là alors. Allez. Oh. Plus lugubre déjà le coup de la maison. Putain, c'est la maison quoi, le mec. Quand on décoche un piège. À raisonner, ouais, mais ouais, c'est bon. Je pense qu'on est arrivé grillé. Oh la vache, ah, j'ai déclenché du piège. Impossible de se reposer ici. Oh la vache, menteur. Bon bah. Il est plus court, d'accord. Oh mais il y a des petits. Bah, du coup, hein, allez-y les gars. Ah ça y est, je suis dans le tiers. Bon bah toi du coup j'ai pas ramassé. Je peux toujours pas me reposer ici. Des carreaux d'arbalète. Ah, le vieux Scrabble. Ah bah c'est Scrabble le patron. Bon bah. Que quelqu'un me protège! C'est chiant lenteur hein. Que quelqu'un me protège! J'arrive. Oh non! Oh putain, j'ai cru qu'il était fou. Allez, quête! Bon, allez! Déjà, tu te mets avec ton bonhomme. Et laisse le cuisinier! Allez, va te gaspiller là. Il y a le feu, tu manges rien comme ça. Ah, il reste plus le copain là. Ouais, d'accord. Bon, bah la vache! Vous cherchait avant l'arrivée des voleurs. Nous avons découvert quelque chose de capital dans les archives. Ah. Oui, j'espérais le trouver ici. Mais où est Aldanon? Enlevé. Ils nous ont attaqués en quelques secondes. Ils ont dit qu'ils avaient un message de vous. Et puisque nous vous cherchions, nous les avons crus. Ils... Enfin, nous cherchions dans les archives des références aux fragments d'argent. Nous avons découvert une ancienne référence à un fragment d'Empadivert, découvert peu après la guerre contre le roi des ombres. Le fragment était détenu par une confrérie de seigneurs, des riches initiés des arcanes. D'après ce livre, il n'en restait que quatre. Les seigneurs d'Alren, Brennick, Aux et Tavorek. Ce sont pas les hommes qui sont morts? Oui, sauf Tavorek. Nous pensons que les seigneurs se transmettaient le fragment juste avant l'arrivée des démons.
Si notre idée est la bonne, le seigneur Tavorik a le fragment, et il est en grand danger. Aldanon a essayé de le prévenir, mais il est entêté. Il m'a poussé à partir et dit que je ne devrais revenir que si j'étais plus jeune et féminine. Je cite, bien sûr. Il faut prévenir le seigneur Machère avant que les démons reviennent. Attendez, je veux savoir ce qui s'est passé ici. Les voleurs sont arrivés par la porte, habillés de façon assez respectable. Ils ont dit porter un message de votre part, et Maître Aldanon a baissé les défenses. Après, ça a été le chaos. Ils nous ont réunis et nous ont fait descendre ici. Deux autres ont escorté le maître hors de la maison. Ils sont revenus peu de temps après avec une lourde bourse d'or. Ils ont dû vendre le maître à leurs clients, quel qu'il soit. Avez-vous la moindre idée de qui a pu engager ces voleurs? S'ils ont été engagés pour enlever le Denon, pourquoi les voleurs sont-ils restés dans la maison? Ouais, pourquoi ils sont restés à la maison? Apparemment, le vieux Scab appréciait les trésors du maître. Ah. Alors, il est resté un peu plus longtemps qu'il aurait dû. Je pense que cela ne faisait pas partie du plan d'origine. Dans le cul, du coup. Avez-vous la moindre idée de qui a pu... Ouais, qui c'est qui? Malheureusement, non. Ils étaient sinistres, et le chef n'a pas paru se confier souvent à ses hommes. Nous allons envoyer des gardes pour vous aider, Harcourt. Level up! Ah, c'est Chandra. Tu veux quelque chose? Oui, je veux... Tout simple. Bon, voilà, c'était facile à nouveau. Follow me. Qu'avais-tu sur toi? Un anneau? Livre de feu? Bon. On va fouiller jusqu'au bout, hein. Oh la vache, t'es pas bien, toi. Ah oui, impossible d'être. Tu étais mort? Oui, bon, Camille fait pas style. Pousse-toi, Camille. Merci. Ah, il a fallu laisser passer Nini quand même. I have finished. Mais t'as pas réussi. Allez, Camille, tu m'ouvres. Oh. 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 T'as j'ai 2d4 plus feu, 1d6 plus 2. Pas mal. Suivez-moi tous, il est temps de partir. 1d12 au lieu de 2d4, j'ai juste force plus 2. Là, je fais carrément plus de dégâts. Et en plus, j'ai un bouclier. Mais je fais plus de dégâts, en fait, ça fait... Ouais, ça fait un peu moins de force, mais par contre, ouais... Oh, pas mal. Oh, t'as tout ce que je porte. Oh, tiens, ça c'est pour toi. Ok, ça c'est bon, c'est ramassé. Oh, chier, piège. J'ai fait la clé, ferme la clé, non? Bon, c'est pas ferme la clé. Quelle heure il est? 14h. Ah bah ça va être l'heure en plus. Donc là c'est de là. Ok. Bon. Eh ben, on va aller à la porte, hein, on va voir ce qui va se passer. On va juste sortir de la maison. Et puis, on va s'arrêter là pour l'épisode. Ouais, ça fait quand même un bon épisode, hein. Putain, on a arrêté Sheldon tout le long. Ouais, il y aura eu un peu de difficulté. La porte inouvrable. Ouais, on va s'arrêter là. Moi, je vais faire une petite sieste, je crois. Où je... Peut-être faire un dernier épisode, je ne sais pas. Je suis... claqué. Oui, parce que je me suis levé il y a une heure. Ok, alors on va se pousser, on va avancer un peu par contre. Ça, c'est le bordel. Et puis on va se faire la sauvegarde là. Oh, je vais me faire encore un épisode. Ah, oh, peut-être deux. Camille 54. Voilà. Donc en gros là on est je dirais un peu plus la moitié de l'histoire
un peu plus la moitié de l'histoire. Donc ouais, comme ça vous êtes fixé, vous savez à peu près combien il y a d'épisodes. Comment voilà. Et puis bah du coup, ouais, on est ouais, un peu plus la moitié. Ouais. Parce que je suis en train de regarder en fait le nombre d'épisodes. Parce que j'ai, je suis en train de regarder les, ah comment ça s'appelle, bah sur une, on va dire sur une Solus les chapitres que j'ai regardé avant pour voir où on en était. Juste les chapitres en fait, parce que je me mets pas dedans, ça sert à rien, parce qu'on s'emmerde si on trouve la soluce. Et puis, donc voilà. Bon, en tout cas, moi je vous donne rendez-vous pour l'épisode suivant. Allez, ciao tout le monde!